Donc là, on se retrouve tout de suite dans une zone qui peut être légèrement avalancheuse. Donc on va mettre l'Arva en route. Vas-y, rapproche-toi bien. C'est OK. L'Arva, c'est l'appareil de recherche pour les victimes d'avalanches. T'attends un peu, Martin ? Équipé de cet outil de sécurité indispensable, nous accompagnons Ludovic et ses clients en ski de randonnée. Objectif, le col de la Cicle, ambiance de bout du monde. Bah là, on est tout seul. Le ski de randonnée, c'est vraiment se déplacer par ses propres moyens, avec des skis, sans utiliser les remontées mécaniques. On met quand même des pots de phoque sous les skis, qui nous permettent de monter, sans glisser, sans partir en marche arrière. Donc on va mettre le pot de phoque, c'est un moment important. Tu vois, Martin, il a déjà attaqué, on verra s'il l'a bien fait. Les premières peaux étaient vraiment de la peau de phoque. Maintenant, c'est sûr que c'est des peaux synthétiques. Ça nous permet d'aller passer des bons moments un peu loin de la foule. Donc, pour marcher dans la neige, avec les skis, on les lève pour... On va les laisser traîner, avec le talon qui se lève. C'est un rythme qui est assez naturel. On est forcé de continuer. Il faut déjà avoir un niveau de ski suffisant pour pratiquer le ski hors piste, puisque bien sûr on va quitter les itinéraires balisés et damés. Donc il faut déjà savoir skier en toute neige. Et après, une condition physique suffisante pour marcher une heure ou deux. Avant, c'était une activité qui était assez difficile. Le matériel n'était encore pas tout au point. Il y avait beaucoup de casses, le matériel était très lourd. Mais maintenant, c'est une activité qui est devenue accessible parce que c'est léger, c'est fiable. Les peaux de phoque tiennent. Donc les fixations sont articulées sur l'avant, qui permet d'avoir un déroulé de pied similaire à la marche, qu'on bloque à la descente, au niveau du talon, pour avoir des skis normaux. Vous voyez ceux qui ont fait la trace, ils l'ont bien faite parce qu'on passe quand même loin des pentes. On voit qu'il y a eu quelques coulées. Les avalanches, ça ne se déclenche pas toujours quand on est dessus. Ça peut se déclencher à distance, ce qui veut dire qu'en bas de la pente, on peut déclencher une avalanche jusqu'en haut. Allez, on continue. On est dans un panorama incroyable, donc c'est vraiment une belle expérience parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, donc voilà, c'est très bien. Et on est tout seul dans un endroit, on a l'impression que c'est fait pour nous, quoi, donc on est vraiment bien. Quoi. On peut choisir son chemin, son itinéraire, voilà, c'est parfait. Quoi. C'est votre sommet, même si c'est un col. Allez-y! On n'est pas mieux que sur les pistes? Carrément, c'est vraiment une autre montagne quoi. Ah ouais. Azur quand tu nous tiens. On va repasser en position descente. Comme ça les freins skis se mettent en position. On enlève la peau de phoque. Donc là on arrache tout d'un coup. Le plaisir il se situe de redescendre ce qu'on a monté par nos propres moyens. Et c'est fantastique. Surtout dans la neige qui nous attend derrière. Il n'y a qu'un mot, superbe. On skie quand même un peu plus cool que sur les pistes. On garde de la marge. Et puis bon, vu qu'on est monté à pied, on essaie d'apprécier la descente plus doucement. Allez, c'est parti! On a eu la poudreuse sur toute la descente, c'était excellent quoi. On a fait nos traces. Ça fait du bien de descendre ce qu'on a gravi, donc c'était parfait quoi. Ça donne vraiment envie de s'y mettre et puis surtout. Bah, on voit qu'on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous aider, donc c'était parfait qu'un guide, quoi. C'était une bonne expérience. Quoi. Les guides de haute montagne sont là en effet pour vous offrir la découverte en toute sécurité. L'immersion sauvage du ski de randonnée restant bien sûr réservée aux pratiquants avertis.